to your favorite modern world. Salut tout le monde. Je l'avais promis et je tiens presque toujours parole. Presque. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier album de Carcarias, Afterworld. Contrairement à Planet Chaos, avec lequel j'avais découvert le groupe franc-comtois, Afterworld est principalement chanté. Devrais-je dire gueulé. Il s'éloigne clairement des sphères progressives, même si vous entendrez ici ou là des guitares flodiennes, comme au début de Identity, et des claviers planants à la fin de Black Rain, par exemple. On est plus sur du Paradise Lost, période Host, et du Queensryche, que dans les 70s, à la patte def et aux cheveux gras. Les guitares de Pascal et Bob font beaucoup à la musique dans l'album, sans parler du chant scandé grôlé de Jérôme. Au niveau de la rythmique, Raphaël à la basse et Bertrand à la batterie ne donnent pas vraiment dans la dentelle. C'est dense et pas franchement très inventif. J'adore l'entrée en matière de l'album sur No Aftermath. Cette ouverture martiale dopée à la testostérone, une marche militaire qui écrase tout sur son passage avec la troupe qui hurle encore « We are the shields, the claws, and the ground meat ». Pour la subtilité et la douceur, vous repasserez. Si vous avez joué à Space Marines, je parle du jeu de figurines, ces soldats de l'espace en armure affrontant des nuées d'aliens Genestealer dans des épaves de vaisseaux, vous appréhenderez mieux la violence de Aftermath, qu'elle soit vocale ou musicale. Cet album, c'est un cri de guerrier transformé pour devenir une machine à tuer qui, tapie au fond de son cerveau, conserve un brin de conscience humaine. Manifestement, Aftermath poursuit le récit, du moins le thème abordé dans le précédent opus, Planète Chaos. Tous les morceaux ne fonctionnent cependant pas forcément aussi bien que No Aftermath, Identity, Angst ou Generation Rot. Billions of Suns et Black Rain peinent à me convaincre, leur côté brutal manque de mordant. Je trouve également que les instrumentaux Fall of an Empire et Afterworld ne possèdent pas la même richesse que ceux de Planet Chaos. Ils s'écoutent, disons, sans marquer les esprits. Afterworld, c'est presque une heure brutale, tendue et dense, au chant caverneux pendant laquelle les guitares font des merveilles et où le chant arrive à produire des refrains furieusement accrocheurs. Oui, alors évidemment, ça poutre un peu malgré quelques claviers la Vangelis et de longs accords façon Gilmour. Le métal écrase vite les ouvertures cinématiques, comme dans Machine Cult, et si on n'apprécie pas les gros tatoués et la bière à 10 degrés, mieux vaut s'abstenir. Je n'aurais peut-être pas accroché avec Afterworld sans avoir découvert leur précédent album. Alors, si vous avez un doute, commencez par Planet Chaos et continuez avec Afterworld. Vous pourriez prendre goût à leur musique. Voilà. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique. Bisous !